Durant l'Antiquité, les gens avaient déjà du feu. Du fringue. Du fringue, ouais, tout à fait, du fringue. Du bon fromage de fringue. Durant l'Antiquité, les gens avaient déjà le feu. Les fringues et même les roues. Non mais tu te rends compte, les roues des voitures là, non mais à l'époque, je te jure, ça c'était le turfu. Tout le monde en raffolait, c'était carrément le waouh. Mais imagine, ils auraient déjà inventé le smartphone. Ah là, d'un coup, ça devient plus stylé, on va pas se mentir. Alors je me suis fait un plaisir, ou plutôt le staff de Topito, d'imaginer les textos que ces braves gens célèbres se seraient envoyés. Et je vous préviens, il y en a des pas mal. Surtout à la fin. Alors tu quittes pas. Je veux t'avoir à gueule. Tu quoi je... Oui, oui, bien sûr que t'es à lieu. Tu crois que je peux pas? Tu crois que... Oh, reviens, gamin. Gamin, reviens. Ah non, pars pas. Non, s'il te plaît. Ah non, pas ici. On a dit pas ici, Patrick. Patrick, j'ai dit quoi? Reviens ici maintenant. Putain, ce qu'il est con celui-là. 12 seconds. Voilà, non, mais il y a des fois, je pars dans des délires. Je suis désolé. Personne n'a compris ce que j'ai dit. C'était la zéro articulation. On est-il pas pour un petit top 10 des SMS que les gens à l'époque se seraient envoyés s'ils auraient inventé des smartphones? Ça va être génial. Vraiment, je me suis pas spoilé. J'ai essayé de me. Ah, c'est rare hein, que je suis impatient comme ça pour faire des vidéos. Non, c'est pas grave, mais je suis vraiment impatient pour faire des vidéos. C'est assez intéressant parce que on va. Moi j'aime beaucoup l'histoire. Je sais pas vous, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'en raffole pas partout, hein. C'est. Voilà. On s'en bat les couilles, vraiment, on s'en bat les couilles. Un petit peu barre, hein, on aime. Je vais pas raser les frais pour la vidéo. Alors, le contexte, Pompéi est détruite par l'éruption du volcan de Vésuve. C'est un message qui a été envoyé à Claudius. Ils avaient annoncé de la cendre aujourd'hui? C'est peut-être ton voisin qui fait encore une barbecue, lol. Un barbecue, pardon, pas un barbecue. Bon, ça va aussi barbecue, hein. Putain, c'est drôle. Putain, je suis drôle, s'amuser. T'es con. Jamais vu un ciel aussi couvert, la mi-auguste. L'été de merde. Oui, j'ai entendu la table. Ah, oh, je peux te finir 5 minutes, là. Hop, je finis, juste la dernière phase. Laisse pas 5 minutes. Je me respecte pas. Complètement. C'est l'été de merde, sale journée pour les asthmatiques. Hein. Déjà que j'avais le rhume des foins, je t'en reviens pas les nouvelles. Voilà, je rajoute des phrases, moi je suis comme ça. Passer une pause, c'est parti. 2000 years. Je vois quand on me respecte vraiment ici. Hein. Quand je dois aller manger comme ça au milieu d'une vidéo, on fait l'arrivée avec le fouet. Non, tu viens tout de suite. Non, on a dit manger. Allez, ah, ça rigole pas ici, hein. C'est le non-respect. Tu fais des vidéos, je m'en bats les couilles. Putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu fais une vidéo, hein. Tu viens tout de suite. C'est extrêmement drôle, je sais. Voilà, est-ce qu'on peut continuer du coup? Oui, mais je suis pas coiffé. Ah, pénible, hein, le garçon. Ça va là. C'est chez moi, c'est comme un puzzle, hein, mais je trouve. Ils vont mettre les pièces en place. Ça a rien à voir une coiffure normale, hein. Ouais, parce que ça, c'est une coiffure. Ouais, t'emmerdes, PD. Invention du pote fauché qui te taxe toujours ton blé et tes clopes. Envoyé à Marcus. T'oublies pas que tu me dois du fric. Ah ouais, combien déjà? Si mes calculs sont bons, environ MMMMCCCCCCLXLL. Voilà, maintenant je suis maniaque, j'ai toujours pour quelqu'un dans ma chambre. C'est pas intéressant, hein, on s'en fout, on passe au prochain, c'est parti. Ulysse galère un peu à rentrer à la maison. Ah, il a envoyé ça à Pénélope. À Pénélope, c'est son grand-père. C'est possible, je sais pas. Bref, t'es où? Tu rentres pour le dîner? Pas sûr, je suis un peu paumé. Ça fait 20 ans que tu me dis ça, Ulysse. T'en fais pas pépé. Bon, je te laisse, j'ai un conf call avec les sirènes. Je t'appelle demain. Bise à Télémac. Elle était pas mal. J'avoue, elle était pas mal celle-là. On va pas se mentir, avec mon petit talent d'acteur, couramment dans le jargon, y'a pas de problème. Caligula, un empereur à la cool. D'accord, Caligula c'était un grand empereur au temps. Je sais pas. Époque grecque, grande antiquité romaine, tout ça. Toi-même, tu sais, hein, y'a pas de problème. Oui, romaine. Putain, j'ai croisé ton sosie au forum, un truc de ouf. Ah ouais, c'est un mec qui joue dans Game of Thrones, si jamais. Enfin, c'est un gros fils de pute. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu la référence. Ouais, parce que je suis cultivé en termes de série, web, série. Cette petite merde, comment oses-tu? C'est bon, désolé, je pensais que ça te ferait marrer. T'es un homme mort. Bisous. Ouais, ça, c'est assez drôle, ça va. Je dirais 9 sur 10 niveau humoriste. On passe au prochain. Cléopâtre et César entretiennent une relation illégitime à distance. Donc c'est des messages qui ont été envoyés à César et c'est Cléopâtre qui écrit. Voilà, comme ça vous êtes un peu dans le contexte. Un petit Skype, ma petite égyptienne préférée? Allez! Si j'enlève ma toque, t'enlèves ta robe? Il est chaud mon Julius. Mais regarde ton spectre, hein. J'aime bien. Et ma pyramide, tu l'aimes ma pyramide? Ah, et j'aime beaucoup. Franchement, il y a des fois c'est vachement drôle. L'empereur n'est pas très commode. Pardon, j'ai pas compris. Ah oui, parce que l'empereur s'appelle Commode, très bien. Petit jeu de mots. C'est pas moi qui l'a fait, hein, c'est Topito. T'inquiète pas. Moi je sais que j'ai un niveau d'humour, mais quand même, là c'est une insulte. Là c'est pire, c'est. T'en as pensé quoi du gladiateur là? Commode lui envoie comme ça. Puis après il répond. Dommage, il était mignon. Parce que c'est genre un mec super FDP, donc dès qu'il dit quelque chose il aime pas, bah il crève. Enfin il bute tout le monde. Voilà, c'est pas hyper drôle que ça, mais c'est comme sympa. On peut pinailler un petit peu, mais faut pas, hein. Voilà. Prochain! Marc-Antoine et Cléopâtre sont en couple. Donc, c'est Marc-Antoine qui envoie des messages à Cléopâtre. Alors, c'est qui le meilleur au lit? Moi ou César? Allez, quoi, ça restera entre nous. Allez! Ensuite, Cléopâtre répond. Ah, je sais pas. C'est différent. C'est sympa, mais voilà, quoi. La remise des tables de la loi à Moïse. Là, c'est Moïse qui envoie des messages à Dieu. Enfin, c'est Dieu, du coup, qui... Bon, enfin, vous allez voir. Donc, Dieu envoie. Salut, Moïse, comment ça se passe, cet exode? C'est relou, hein, mais merci pour l'appli qui ouvre la mer rouge. C'est cool, vraiment. LOL. Bon, je t'envoie un truc. Essaie de lire ce soir. Et tu briefes tes gars. Tu vas voir, le 8, il est génial. Et là, il envoie un lien des 10 commandements. C'est pas mal, encore. C'est... Ouais. On passe au number one. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Ah, je vois dans vos yeux, hein, vous n'êtes pas prêts. Ah, je suis désolé, je regarde pas mal le retour de la caméra. Ah, je suis désolé, je regarde beaucoup le retour de la caméra. Ce sont des choses qui arrivent, hein, écoute.
On a l'habitude. La peste frappe Rome, et c'est pas cool. Tu vas à la soirée de Caius demain? Je sais pas, je me sens pas ouf. Ah ouais, t'as quoi? Trois fois rien, je pense, mais ça sent bizarre quand même. J'espère qu'il y avait la peste. C'est pas mal, partez pas, s'il vous plaît. Ouais, sur ce, n'hésitez surtout pas à partager, ça nous ferait super plaisir. J'ai déjà dit, je sais pas, je sais pas. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère infiniment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Putain, je parle vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, s'il vous plaît, ce genre de vidéo, on regarde des messages. Alors évidemment, là, c'était pas fameux, hein, comme disent les jeunes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu si ça vous plaît des vidéos où je regarde des messages, peut-être pas forcément des messages d'antiquité, même si ça pourrait être sympa, hein, deuxième épisode, on sait pas. Ah, ça annonce des projets comme ça, y a pas de problème. Ah, j'ai bien, là, je peux bouger. Ah, j'ai un nouveau fond vert d'ailleurs. Ça intéresse quelqu'un? Non, absolument pas, c'est pas grave. Bref, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Noah, allez, ciao, bande de geeks.